Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo exploration parce que on est sur le barrage de Smithville, mais j'ai déverrouillé Island Lake. Bon, j'avais déverrouillé un petit peu celle-là, mais j'ai déverrouillé celle-là et je suis en train de la faire, d'explorer. Et ça va être la prochaine vidéo parce que le barrage, je n'ai, les contrats sont faits, il faut passer ici, donc je vais les faire quoi, en fait. Ensuite, j'ai vendu mon pet hum en envie star là, et j'ai acheté un gros camion, un Pacific P12, et ici il y avait le camion qui était coincé. Je l'ai recommencé et avec le gros camion je l'ai ramené par là en fait, comme ça, je fais tout le tour comme ça en bas, je suis remonté par là, comme ça, et je suis revenu au garage comme ça. Ça a été vachement plus long que par là, mais j'espère être coincé en fait. Parce que là, j'étais coincé. Donc je fais tout le tour. Et ça a été vachement long, hein, quand même. Tout le tour comme ça. Et j'ai commencé à le ramener, donc j'ai mon Western Star maintenant. Donc j'ai trois camions. Il y a bien plus. J'ai trois camions. Et donc voilà. Et donc j'ai amené le Chevrolet. J'ai amené le Chevrolet de l'autre côté, et là je vais amener celui-là là-bas. Alors j'ai des problèmes, je me demande si ça vient pas de celui-ci en fait, quand même, parce que j'ai le jeu qui plante, qui arrête pas de planter. J'ai chaque fois envoyé un machin à PlayStation quoi, bon, pour leur dire que ça plante comme ils me demandent. Et en fait, je me demande si ça vient pas de celui-ci, parce que en fait, celui-ci c'est un DLC qui normalement était un camion qui est utilisable, qu'on achète en Russie. C'est un camion russe qui est fait pour la... Parce qu'il y a des camions qui sont pour la Russie, puis d'autres qui sont... on ne peut pas les utiliser ici quoi en fait. C'est marqué chez les concessionnaires, et celui-ci en fait partie, ça fait partie, c'est un DLC qu'on a eu en version premium, mais j'ai l'impression que c'est lui qui fait planter. Je vais quand même utiliser quand même, je vais essayer, parce que ça va quand même un peu plus vite, mais bon, je vais essayer, j'espère que ça plantera pas, bon, de toute façon. Mais c'est vrai que je me sers pas de là aussi. Donc là, je vais faire une vidéo parce que je vais commencer à explorer, mais j'ai place à planter, ça arrête pas de planter, donc du coup... j'ai perdu vachement de temps, donc ce qui fait que je vais essayer quand même de faire une petite vidéo. Donc j'ai fait une vidéo un peu exploration, comme ça je vais utiliser celui-là. Je vais l'amener là-bas quand même. Parce que j'ai essayé avec le Chevrolet, il est bien, mais c'est très rapide quand même. Allez, bien. Et comme j'ai pas pu... On peut pas... Je ne peux pas réparer en plus sur l'autre map. Il n'y a pas de garage. Et ici, il a une fâcheuse tendance à se chavirer. C'est un peu le problème. Hein. Certains disent qu'il est mieux, c'est le mieux. Ouais, c'est le mieux, mais à condition de qu'il ne chavire pas. Parce que alors, il chavire très facilement. Quoi, hein. Pour ça, c'est merdique. Quand on a un garage, on peut revenir. Mais là, les deux prochaines maps, on n'a pas de garage. Donc... il faut y aller en douceur quoi. Et puis la douceur, c'est pas trop ce qui me caractérise en plus. C'est dommage, j'y passe bien partout, mais il a un gros défaut. Alors après, j'ai un treuil autonome. J'ai mis un treuil autonome. Ouais, ça m'a connu quand même pratiquement 10 000 billes quand même, cette histoire. Mais même s'il est renversé, le moteur est calé. Comme il est autonome, le treuil, je peux avec un peu de chance me redresser et le faire repartir. En espérant qu'il y ait bien sûr des...
On va tenter déjà de... On va pas tenter de trucs. Voilà, ouais. Ouais, parce que là, j'ai peur que... Mais c'est un peu le problème, hein. Pour ça, parce que là-bas, j'étais avec... Alors, ça plantait, et puis j'ai chaviré. Le moteur calé, et... Et ça me fait chier aussi. Les branches, là... Ça m'étonne, hein. Voilà, je sais pas si le jeu plante à cause de ça, je sais pas. Il marche bien, puis d'un coup il se met à planter carrément, comme ça, poup, il s'arrête. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça le fait sur au joueur PS4, mais moi ça me le fait, hein. Je sais pas si c'est la PlayStation ou quoi. Oula. Donc voilà, bon, on va essayer. Donc je vais essayer d'aller de l'autre côté, faire une petite vidéo pour ça, vous faire quelque chose, parce que sinon. Parce qu'il faut que je... Là-bas, je vais récupérer... Je vais faire exploration. Je vais essayer de récupérer les améliorations. J'en ai une à récupérer là-bas encore. Avant de partir avec les camions. Parce que si j'ai des améliorations que je peux mettre, je vais essayer de faire Drummond Island, de finir Drummond Island. Explorer pour avoir des améliorations, faire des améliorations. Pour pouvoir partir avec les camions... sur Island Lake, les trois camions que j'ai. Si j'ai des améliorations, j'en ai une déjà, je sais. Sur le Western, j'ai débloqué le différentiel justement que je n'avais pas. C'est pour ça que je vais déverrouiller les deux maps là, hein, pour partir, parce qu'après on peut plus aller dans le garage, donc on peut plus. Ça sert à rien d'avoir des améliorations après si on peut plus, si on peut pas les utiliser quoi. On peut les mettre que dans le garage les améliorations. On les gagne sur les maps, mais on peut on les On les met vraiment, on les installe au garage. Alors comme il n'y a pas de garage, et revenir chaque fois au garage, là c'est un peu dans l'histoire hein, quand même. Donc voilà, donc j'essaie de faire ça. Je vais faire que des tâches principales. Pourquoi? Parce que... Ouais, c'est pas le moment de chavirer là parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arbre, hein, s'il y a là-bas, mais... Voilà, donc j'ai décidé de vous faire un peu, c'est un peu merdoyer l'histoire là, donc j'essaie de faire quand même une petite vidéo quand même, histoire de vous donner quelque chose à grignoter, si je veux dire. Donc une fois que j'aurai fait les tâches là, les contrats, j'hésite, alors j'hésite entre aller en Russie ou en Alaska. Il paraîtrait que l'Alaska, c'est comme avec la neige, c'est plus dur, mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de véhicules américains, comme on a maintenant, à part ici, justement, dont les améliorations sont en Alaska. Celui-ci, les améliorations sont en Russie, justement. Donc celui-ci, on peut pas... Est-ce que je peux... Ah ben non, je peux pas... Je peux pas, là... J'ai un truc d'épuration d'ailleurs là. Il faut que j'amène ça de l'autre côté aussi, hein, parce que si ça ne me sert pas. Voyons si je peux. Est-ce que je peux réparer là? Non. Non, j'ai que la roue de secours. Je vais pas réparer. J'ai 4 points, mais je vais pas réparer. Je vais laisser. Donc allez, je vais essayer d'aller là-bas. Parce que des missions, il m'en manque, j'en ai exactement, j'en ai deux ici, enfin deux, c'est les deux ici, deux, et trois, c'est tout ce qu'il y a, j'ai cinq missions en fait, encore à faire, cinq missions, je vais faire les missions, les contrats, et après, ben, j'irai
J'essaierai d'aller soit en Alaska en Russie, mais je pense que j'irai en Alaska parce que on peut avoir des améliorations encore. Le jeu est plus dur, peut-être, faut pas se les jouer depuis quelques années, je ouais. Bon, après, c'est vrai qu'on dit que effectivement les améliorations à propos des pneus de neige, sont aussi un rang assez loin quand même, hein, je crois. Hein. Alors effectivement, peut-être qu'il faudrait mieux aller en Russie, je sais pas. C'est ce qui se dit aussi. Pour avoir les rangs aussi, parce qu'on a des rangs. Je suis au rang 10 là. Mais les neiges, la neige, les pneus neige, les pneus clous là, écoutez. Enfin non, les pneus à crampons. À chaîne, j'arrive à le dire. Les pneus à chaîne, je crois, sont un rang, donc je sais plus, il faudrait que je regarde, mais. Un rang assez élevé quand même. Hein. Donc effectivement, peut-être c'est intéressant d'aller en Russie, quoi. Mais bon, on peut toujours aller en Alaska, et si on est bloqué, ou comme ça, si on voit, on peut toujours repartir en Russie après. C'est pas non plus. Non, pas par là. Pas par là, je vais éviter de passer dans les. Alors parce que si c'est des pneus boue, alors ils passent plutôt bien. Oh, le chevreau aussi passe bien. Il est moins rapide, il est moins nerveux. Mais il a beaucoup de couple aussi, il faut dire. Hein. Ici, oh là, j'ai failli me rembourser. Oh, il y a de l'eau, oui, quand même. Mais il avance, il avance. Je pourrais utiliser le treuil, mais bon. Par contre, 43 litres. Ouais, mais je suis pas très loin quand même maintenant. Ouais, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que un peu sur le toit, on peut mettre sur le toit un comment s'appelle? Bon, là j'ai la roue de secours pour réparer. Sur le toit, on peut mettre le réservoir. Un réservoir. Sauf que c'est aussi un rang élevé, ça avait un rang 20 ou je sais pas combien, enfin. Donc ce qui fait qu'il consomme beaucoup. Et donc pour ravitailler, c'est compliqué quoi. Avec celui-là. Hein. Il a que 72 litres de réservoir. Bon là sur la map, de toute façon, c'est ici qu'on est, non? Ouais. Allez, go, on y va. Allez. Alors, je vais sauter le truc ici. On va se retrouver de l'autre côté. En même temps, je vais sauvegarder ma vidéo, comme ça, moi, je vais regarder quelque chose. Toujours. Et on va se retrouver de l'autre côté. Bon. On est revenu maintenant sur la carte Island Lake. Et la carte est comme ça, la carte, en fait. Elle est comme ça. On se connaît ici. Le barrage, oui, c'est ça. Elle est dans ce sens. Elle est en longueur, en fait. Et le passage de côté, il est ici, de Rosemont Island. Et donc, j'ai tout déverrouillé. Et avec ça, je ne vais pas aller plus loin, parce que pour amener la prochaine mission, il faut aussi que je mette que je trouve le pont en bois, pour que jamais l'usine est désaffectée, là, enfin abandonnée, là. Pour ça, je vais pas truc. Donc, je vais essayer de faire là. Essayer d'aller à l'amélioration ici. Et après, ici, on pourra avoir un camion, je pense aussi. Par là, c'est un camion. Et c'est tout ce qu'il y a ici. Donc, je suis ici. Et on va aller comme ça. On va essayer d'aller là. Ici, pour essayer de faire l'amélioration, j'en ai qu'une. Je vais récupérer l'amélioration, comme ça. Ça sera fait. Comme ça, après. L'amélioration. Papa, papoum. Où est-ce que j'ai ma citerne? Là. Je vais aller me chercher de l'essence d'abord, là-bas. J'ai ma petite citerne. Mais les gars, on est parti.
Donc je vais essayer déjà. Chercher du jus, ouais, 68. Parce que je me demande si c'est pas lui, je sais pas, on va voir. Prendre du jux. Du pétroleum. Papa, papa, remorque ravitailler 18 litres. Oui, il me reste pas beaucoup, 57. Allez, go. Ce que je vais faire cette vidéo, je vais essayer d'aller me récupérer l'amélioration. Voilà, ça sera. Parce que je voudrais pas que ça bug dans le quand je sauvegarde. Et donc je vais essayer de ça déjà. Alors j'ai dit c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Après ça bug pas chez les autres hein, apparemment. Sur le PC ça bug pas. Puisque bon je vois que Galaxy l'utilise et qu'il n'a pas de problème. Mais sur le PC c'est pas la PS4 donc. Et d'ailleurs même au niveau maniement je trouve. Bon, après je suis moins doué que lui, peut-être aussi, faut dire, peut-être aussi, mais pour manier les trucs, mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est moins facile, c'est pas si facile que ça. Par contre, c'est vrai qu'il passe beaucoup mieux que le. Enfin, plus rapide, il est beaucoup plus rapide aussi que le Chevrolet. Mais je suis passé à la Chevrolet quand même, ça passe. Mais c'est vrai que le moteur, il est coupleux, on va dire. Alors, où c'est qu'on est ici? Où est mon amélioration? Where? Je vais aller jusqu'ici. Oui, je dis jusqu'ici, je dis, mais. Ouais, jusqu'ici, je vais aller. Bon, il fait un peu nuit, ça change. Faire comme ça. Si on met un petit peu de lumière. Pour changer un peu. C'est une carte, c'est plein de marécages. Elle est plate comme carte, elle est assez. Moi j'aime bien parce qu'elle est plate. Ouais. Et puis. Mais c'est plein de marécages de la flotte autour, par contre. C'est pas mal boulot aussi. Ça ressemble à la Russie. Hein. J'ai vu un petit peu les vidéos sur la Russie aussi, là, le Tamir. C'est vrai que. C'est un peu ce genre-là, mais je déteste pas, moi j'aime bien. Allez, hop! Pas le poteau, non. On va aller ici. Là, j'ai le camion là-bas. Je vais essayer d'aller ici alors. Hein. J'ai dit. Oui, je vais essayer. Où est-ce que je l'ai là, le truc? Je l'ai pas mis, c'est pour ça. C'est pour ça que je vais faire comme ça. Et comme ça. Pile poil. Ouais, tap, pam, pam. Ouais, ça va changer un peu. Un peu de lumière. La lumière. Je vais essayer de ne pas me renverser déjà, hein, aussi. Bien, dans la roue. Alors, amélioration, voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Un moteur fortement retouché pour par noter de tuning populaire. Bonne puissance, mais une consommation assez malsaine de carburant. Ouais, justement. Et c'est quoi? Par le garage, ouais, mais. Voyons, Scoot 800, Chevrolet. Ah ben voilà, le Chevrolet, je peux le mettre. Je peux le mettre pour mon Chevrolet, justement. Ah, mais le problème, c'est que je lis si le Chevrolet. C'est ça le problème, d'ailleurs. Je repartirai là-bas, ça fait rien. Le scout, donc je n'ai plus le scout.
Par contre, je peux. Alors, c'est quoi un moteur qui est retouché? Bonne puissance, parce que j'ai pas beaucoup de puissance. Par contre, ouais, il y a plus de trucs. Il est disponible à l'achat. Ouais, mais ça fait rien. J'essaierai. C'est pas grave. J'essaierai, c'est pas grave. Hein. Parce qu'il manque un peu de puissance quand même. Le Chevrolet. Bon, par contre, je l'ai ici. C'est ça le problème. C'est ça le problème, je l'ai ici. Bon, là, ce que je vais faire maintenant, déjà, c'est sortir d'ici. Je vais. On en est à 20 minutes. Pour l'instant, ça marche bien, ça va. Ici, c'est le fameux camion. Il est à réparer, je crois qu'on le gagne après, tu me sembles. Parce que d'ailleurs. Alors, voyons. Véhicule 7 sur 9. Oh, j'en ai deux encore. Mais. Au Michigan, j'en ai encore deux, ouais, c'est ça. Je vais le voir, celui-là je pense c'est un dans l'autre côté. Les points de vue j'en ai 24, il m'en manque 2, j'ai deux points de vue de l'autre côté à découvrir. Amélioration découverte, j'en ai 19, 3. Non 2, pardon, ouais 2 parce que j'ai pu compter. J'en ai 2 à découvrir, 2 des améliorations et 2 camions. 2 points de vue. Donc je vais essayer de me finir ça en off. Je vais finir la vidéo, je vais aller vers là. Il faut que j'aille, alors il faut que je remonte là-bas quand même. Oui, parce que il y a beaucoup d'eau, oui, quand même, c'est vrai. Et il faut que je remonte comme ça en fait. Comme ça. Toc. Jusque là-bas, mais j'ai pas le choix. Comme j'ai que ça à faire quand même, on va y aller tranquillement en espérant que ça marche. Et la prochaine fois, après, je ferai. Je vais finir en off avec celui-là, pareil, je vais essayer. J'essaierai de faire le. De finir donc. Drummond. Et ensuite. Pour avoir les deux points de vue d'amélioration. Et puis ensuite, j'essaierai de. Je vois, voilà, le pont, j'ai un pont à construire. Et après, pour l'usine, pour l'usine. Et après, j'ai amené les machines du barrage. Jusqu'ici, amener les véhicules, tout ça, donc ça je le ferai si je peux en off, ou alors je le ferai avec vous si je sais pas. Bon, je vais mettre un petit peu de quoi d'habitude, un petit peu de chaleur, un petit peu de chaleur, un petit peu de jour plutôt, regardez. Ici, il n'y a rien. J'ai combien? 54 litres. Parce qu'ici, non, ça c'est un camion qui est resté là-bas, mais qu'il faudra sortir. Mais en dessous, je vais. Je sais que j'ai. Alors, il y a des citernes. Ici, par contre, j'ai le. Un point de chargement. Il est où le point de chargement d'ailleurs? C'est un point de chargement ça? Non. On est pas celui-là alors. Voyons en fait. Donc je vais où là? Là alors il est là le point de chargement, station de chargement. Ouais, je vais jusque là, donc allez go. Voilà. Tiens! Bon, j'ai des arbres, donc je pense que là j'ai mon treuil. Voyons d'ailleurs. Alors de suite. Treuil. Ah ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Donc si je me mets, s'il y a des arbres autour, hein, du moins, si je me mets sur le toit, je pourrais, avec la batterie autonome, puisqu'il y a une batterie autonome, hein, j'ai pas besoin du moteur, quoi, parce que quand le moteur est calé, le treuil ne sert pas. Bon, ils disent que le treuil est moins puissant, mais bon.
celui-là, il passe partout quand même. C'est surtout qu'il se renverse facilement. Les camions, après, ils se renversent pas. On peut renverser, mais c'est quand même plus lourd quand même, c'est moyen. Il faut à moins de rouler comme un taré, mais normalement, ils se renversent pas, quoi. Enfin, c'est assez rare quand même. Hein. Donc, on restait plus embourbé. Donc, c'est vrai que là, peut-être qu'un treuil avec le moteur, c'est mieux que le treuil autonome quand même. Parce qu'on peut pas utiliser deux. Après, est-ce qu'on peut utiliser les deux, mais je pense pas. Voilà, je l'ai. Mon truc de stationnement, il est là-bas, ouais. La station de chargement, elle est là. Mais, ouais, si, si, ok. Alors, on va où, là? Je veux pas vers là, je vais plutôt vers là. 26 minutes, oh, je vais en faire un peu plus, quand même. Enfin, une demi-heure, quand même. Je vais aller vers là. On est pas là. On n'est pas ici. On est là-bas. On est dans la boue, on patauge dans la boue. Ici, je crois que c'est à droite, là, non? Si je ne me suis pas trompé. Ça va être ça. Ouais. À droite, je vais tout droit. Oui, jusque là-bas. Tout droit. Allez, vous. Bon, là, c'est du... C'est du voyage qu'on fait, mais... Mais pas trop de choix. Drilling site, ouais. Ça démarre à cache, il y en a, hein. Et le trou aussi, ici, elle est. Mais ça, c'est du 4x4, ouais. Bon, certes, on fait que promener, là, mais... Allez, bien. Il y a deux souches, il faut que je m'en paye une. Ici, on a dit, on va vers ici. Je ne trompe pas de sortie. Ici, on entend la musique un peu. Ça roule pas, c'est le truc qui roule bien quand même. Hein. C'est une map, c'est beau, bleu, c'est très beau, c'est, mais ça roule plutôt bien, j'aime bien. Ça va. C'est plein de flotte partout, par contre. Hein. Mais bon. Allez, go. Hop là. Par contre, 35 litres, je crois que j'arrive là-bas. Est-ce que j'ai pas une truc là-bas? Oui, j'arrive ici. Ouais, ça va bien. Bon, de toute façon, on va, je pense, s'arrêter là. Oh, je vais peut-être essayer d'aller. On n'est pas loin, hein. Je vais aller d'abord en faire du jus. Parce que
que j'ai une citerne. J'ai une citerne. Parce qu'il n'y a pas de garage, mais des citernes. Ça, c'est intéressant. Il y a des citernes disposées à droite et à gauche. C'est plutôt sympa. Parce que comme j'ai plus de jus, année 32, mais... Hop. Fais le plein. Hop, en ce sens. Tac. Allez. Merci. Oh, il a boue. Ça va puisque c'est les pleux boue qu'il a. C'est pour ça qu'il passe bien aussi. Hein. C'est vrai qu'elle n'a pas peur d'y aller. Après, peut-être qu'il faudrait que les finances d'autres véhicules soient un pneu aussi, hein, les camions, je... si je dis pas ça, un peu comme ça. Parce que les pneus, ils font, hein, quand même. Les pneus, ça y fait, hein, faut pas croire. Hein. Ça fait beaucoup, les pneus. Bon, on est où, là? Que je regarde. Tout droit et à droite, après. Et on va s'arrêter là, après. Je vais pas vous montrer de l'autre côté, c'est pas la peine. Ici. Hop. Je vais finir l'exploration en off de Drummond Island pour récupérer les dernières les derniers points de vue et les dernières derniers camions, je crois aussi là, puis les derniers. Comment on appelle ça? Le dernier. Dernière amélioration, comme ça, hop, on arrête le moteur, on freine, et voilà. Donc, voilà, bon, ben, sur ce, 32 minutes, c'est bien, toi, c'est bon, ça va faire une vidéo comme ça, voilà, bon, ben, écoutez, la prochaine fois, on va s'occuper, se retrouver sur cette map, donc, Island Lake, on va faire du, ben, on va faire du camionnage. Voilà. Bon, allez, je vous dis bye bye donc. Et donc, prochaine vidéo. Allez, ciao.